un nouveau quai de bus de la Société des Transports Abidjanais Sotra à l'entrée de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à proximité du Centre Hospitalier Universitaire CHU de Cocody. Un don du gouvernement en faveur des étudiants de ladite université et du personnel des entreprises environnantes. Aujourd'hui, vous venez de mettre fin à une de nos difficultés et il est important qu'on soit reconnaissant. Mes camarades, présidents d'association, secrétaires généraux des structures sœurs, s'associent à nous, Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire, vous dites merci. Merci parce que lorsque vous le faites pour demain. Cette infrastructure va faciliter l'accès de ces usagers cibles à leurs différents lieux de travail et d'apprentissage. Notre mission, donc, c'est de faire en sorte que la mobilité soit facilitée donc, sur l'ensemble du territoire national, surtout au profit de ceux qui représentent l'avenir pour le pays. Nous continuons de travailler. Cette année, nous allons acquérir encore des autobus et nous allons renforcer la flotte en ce qui concerne donc la desserte de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Parce que nous sommes tous témoins de l'engorgement, surtout aux heures de pointe, et des étudiants qui attendent pendant longtemps. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient formés dans de bonnes conditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Ce joyau, prenez-en soin, on vous le donne. Il faut faire en sorte que ce joyau demeure en l'état sur la durée. Alors, quand vous venez ici pour prendre le bus, je vous en prie, ne venez pas avec plein de bruit parce que vous gênez vos camarades des UFR de la santé qui sont à côté. Voilà, je ne veux pas entendre qu'il y a pas la vente ici. Vraiment, je compte sur vous. Ce nouveau quai de bus assurera la desserte des communes Yopougon, Abobo, Port-Boué, et à jamais.